Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâtal müstakîme sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ahli seyyidina Muhammed. Kemâ sallayta ala seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. Qui peut m'aider voir avec moi la traduction de ce verset 47 sourate Yassine? J'ai pas la traduction. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. سورة ياسين. Je sais pas. 36. Oui, ma soeur. En français. Pour ta fille. Oui, ça c'est de ta fille. Ça c'est à Lyon. Ou bien des fois tu peux trouver à Payot aussi. Sinon, ma soeur, je peux te prêter un livre et tu regardes avec le frère, tu mets sur le groupe. J'ai besoin d'un livre comme celui-là. Et Mourad, souvent il va. Mourad, elle peut offrir des fois. Il dit tout en arabe ou bien traduit? Oui, 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 mashallah. Faire attention, les traductions ne sont pas tous les mêmes. Il y en a qui. Il y a un seigneur de Bosch. Oui. Vous avez trouvé? وَإِذَا قِيلَ لَمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et quand on leur dit « Dépensez ce qu'Allah vous a attribué », ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru « Nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il avait voulu ?» Vous n'êtes que dans un égarement évident. Donc, barakallahu fik. Qu'est-ce Alors, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce verset? Quel enseignement? Vous savez, mes chères sœurs et frères, l'objectif c'est quoi? C'est changer notre comportement et notre cœur. Donnez-moi un enseignement à mettre en pratique. C'est vrai, le Coran c'est pour changer. Se changer. Alors, sûrement vous avez. On doit étudier des bonnes. Être généreux. Je dois être généreux. Hein? Tout d'abord, ça, dans le cœur. Intégrer cet enseignement dans mon cœur. Ensuite, voir cet enseignement dans dans mon comportement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Généreux, mais sans la ruse. Sans la ruse. Oui. Mais toujours devoir se dire. Je dois faire attention, je ne dois pas donner avec la ruse. Avec ruse, ça veut dire quoi ça? Je peux donner, donc je peux être généreux et en même temps malin. Oui, voilà, comme si tu vas bénéficier de quelque chose. Quoi. Voilà, donner un franc pour gagner plus. Ouais. Émotionnellement, ou bien c'est possible. Là, on parle des Quraysh à l'époque. Ils refusent de donner de l'argent aux pauvres musulmans
Pourquoi? Pour les mettre dans une situation de souffrance, dans une situation délicate. Voilà. Ils veulent les écraser, ils veulent les faire souffrir. C'est ça. Hein, restez. Vous avez choisi cet islam? Alors voilà. Voilà la souffrance. Voilà la pauvreté. Voilà l'embargo. Hein? Hein, vous avez choisi la résistance? Voilà l'embargo. Hein, vous payez. Hein. Là, vous avez le printemps arabe, alors voilà, il n'y a pas d'aisance, il n'y a pas de confort, il y a une difficulté économique. Vous voyez? Oui, moi je suis autant là aussi. La solidarité, c'est vraiment pas juste donner pour être généreux, mais pour être solitaire, pour pas se déresponsabiliser, c'est les autres qui doivent donner, mais être solitaire au-delà Oui. Donc, je ne dois pas chercher à être généreux, mais je dois chercher à être solidaire. C'est ça, Ruth? C'est pas seulement le généreuse, donner, mais être solidaire avec les autres aussi. Oui, la solidarité. Généreuse, par exemple, généreuse, une bonne communication, c'est ça. Comment fait? Donc avant, les Quraysh hein, donnaient à leur esclaves, par exemple, de l'argent. Hein. Après la conversion de ces esclaves, ces Quraysh ont refusé de leur donner ce qu'ils avaient l'habitude de donner avant la conversion. Donc ils ont fait ça exprès pour les font souffrir. Je ne sais pas si j'ai lu dans les vidéos que vous avez données ou bien les textes que vous avez envoyés, comme qu'un homme en fait ne voulait pas donner le zakat quand il s'est converti. Et le prophète lui a dit, ok, pas de problème, tu ne donnes pas. Mais est-ce que c'était dans les textes? Mais je sais que je l'ai lu quelque part hier. Ah oui, c'est pas moi. C'est pas Parce vous. que moi, je ne crois pas à cette histoire. Vu que la zakat, c'est un Mais en fait, droit. ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, lui, il n'y avait pas de problème. Mais qu'à un moment donné, lui, il a commencé à gagner de plus en plus. Et Oui. puis, il voulait donner. Et Oui. puis, finalement, le prophète lui dit, mais c'est ça, ce que tu es en train de faire, c'est ça, le zakat. Il a commencé à donner bien, mais vous savez, je donne parce que quand même, ils sont mangés beaucoup. Il a dit, mais c'est ça, en fait, le zakat. C'est ce que tu es en train de donner aux pauvres. Hein. Puis, c'est là que, en fait, voilà, il a adouci, puis il a commencé par lui-même à donner, Ah, alors qu'il avait d'accord, beaucoup. c'est une autre histoire. Alors, ça, c'est pas moi. Mais je sais pas, je Oui. sais que j'ai lu hier, mais j'arrive pas à prendre. Non, c'est. Alors, c'est quoi le prétexte pour renoncer à donner l'aumône, l'argent aux pauvres? Le prétexte de ces Quraysh, c'était quoi? Si Allah il aurait voulu, ils ont pris Allah pour eux. Vous êtes pauvre et demandez à votre Seigneur qui est grand pourvoyeur. Si Allah veut vous donner, vous allez recevoir. C'est de la moquerie. Ils y croyaient pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est très bien aussi que la pauvreté et la richesse, c'est la volonté de Dieu aussi. C'est le destin d'Allah, Azzawajal, là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon ici? Des fois, nous recevons quelques intuitions. Mais ces gens, ils ne travaillent pas. Ils sont paresseux. C'est vrai, il ne faut pas encourager les mendiants paresseux. Hein. Attention, hein. Attention. Un jeune qui est en bonne santé et vient te demander de l'argent. Il faut vérifier. Hein. Ce n'est pas toujours. Oui, là, c'est des cigarettes des fois. Tu peux lui donner à manger, tout ça. Tu veux de la. Parce que je ne vais pas aussi faire.
C'est pas comme ça qu'il va arrêter de fumer. Tu vois, des fois, être sympa avec lui, lui donner à manger, après lui dire c'est pas bien, les cigarettes, tout ça. Mieux que, voilà, hein, je te laisse, tu dois comprendre, voilà. Non, il va pas. Le contraire, quand il ne trouve pas à manger, il va boire ou bien il va fumer pour oublier la faim. Voilà. Souvent, ils font comme ça. Hein. Et ils préfèrent boire des cigarettes sur la nourriture, des fois. Hein. Alors, voilà, il ne faut pas juger et il faut en même temps vérifier. Hein. Des fois, on se compare, Masha'Allah, je suis riche, les autres sont dans la pauvreté. Hein. Et je donne avec cet esprit. Moi, je suis en haut et l'autre supérieur, l'autre en bas. C'est attention. Je ne suis pas mécréant, mais voilà. Déjà, là, c'est deux classes. Donc, ces Quraysh utilisent mal les attributs d'Allah Azzawajal. Au lieu de dire c'est Allah, le grand pourvoyeur qui nous donne et nous donne à ses pauvres, ah, vous avez un Dieu grand pourvoyeur. Il faut lui demander. Il peut vous donner. Donc, vous voyez, et vous, c'est lui qui vous a donné aussi de l'argent. Donc, qu'est-ce que je dois? L'argent que j'ai. Le poste que j'ai, ma situation, c'est grâce à Allah le grand pourvoyeur. C'est simple. C'est toujours, faut pas oublier ça. C'est vrai ou pas? Je suis arrivé à ce niveau, hein, j'ai un salaire, j'ai des enfants, hein, c'est grâce à Allah. Simple comme enseignement, il faut l'intégrer alors dans notre cœur. Il ne faut pas l'oublier. Hein, nous oublions. Hein. Après, on cherche d'autres choses. On cherche à grimper toujours. Mais remercie tout d'abord Allah Azzawajal pour ta situation. C'est grâce à Allah. Et regarde les démunis. Regarde les pauvres. Faut pas les oublier aussi. Et des fois, on était dans une situation semblable à la leur aussi. Hein. Faut pas oublier aussi nos origines. Hein. Les circonstances de la révélation de ce verset, les musulmans ont vécu une crise économique très difficile. Et là, le prophète a demandé aux Quraysh, hein, qui n'étaient pas des musulmans, de donner aux pauvres musulmans. C'est pour ça qu'Allah a révélé ce verset. Mais c'est valable pour tous les temps. Ici, subhanallah, donner à manger est l'équivalent de quoi? En fait, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au Quraysh de donner à manger ou bien de dépenser, de donner de l'argent? Oui? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Donner de l'argent, donc. Hein? Donner des. Hein? Comment, Ruth? Il faut donner ce qu'on a. Voilà. Donc on a voilà. Mais le Coran, il a choisi la nourriture. Pourquoi? Donc, quand on donne de l'argent, donne de la nourriture, donne des habits, mais pourquoi le Coran, il a projeté la lumière sur la nourriture? C'est le besoin. Fondamental, ça c'est la première chose, c'est donner à manger. C'est pour ça, mes chers sœurs, mon frère, il faut toujours penser aux affamés tout d'abord. La nourriture, hein? La nourriture est très importante. Donner à manger, c'est toujours il y a du baraka, il y a un secret. Est-ce que c'est clair? Même si dans le centre, là, j'ai dit ce matin. Une fois, une sœur a offert un plat de pâtes, comme ça.
Le frère qui a mangé avec les autres, il m'a dit, il y avait 15 personnes qui ont mangé. 15 personnes. Donc vous voyez, il y a la baraka, il y a quelque chose. C'est toujours bénéfique. On va dire, non, les gens, ils ont de l'argent et tout ça. Non. C'est comme les prétextes, ils ont un Dieu grand pourvoyeur. Non, bien, il y a ce service social. Non. Il y a un service émotionnel. Il y a un service humain. Le social, c'est carré, c'est alhamdoulillah, c'est la base. Mais l'excellence, c'est le plus. C'est toujours comme elle nous a fait, mashallah, notre sœur Mili. Hein? C'est Moi, j'ai mangé vendredi, pas ce vendredi, mais vendredi d'après, passé. Il y avait du couscous dans la mosquée, j'ai fait la prière, après la prière, il y avait du couscous. Oui. Et j'avais pas mangé, ni le matin, j'ai pas déjeuné, ni rien. Voilà. Et j'ai mangé une bonne assiette, c'était très bon. Machin. Et j'ai pensé à ce que vous dites. Oui, ça c'est C'est très vraiment, très. j'ai dit, c'est vraiment généreux. Parce que voilà, même les riches, même un riche, il peut être coincé, voilà. Et alhamdoulillah, rahma, c'est la manifestation de rahma, ça. Vous voyez? Masha'Allah. Donc, la nourriture est très, très importante. Donner à manger, nourrir. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner? La nourriture. Qu'est-ce qu'on peut donner aussi? Comme ça, on doit mettre à côté. Qu'est-ce qu'on peut donner? Les habits, oui. Les maisons aussi. Voilà, construire des maisons, hein, c'est. Hein? Un foyer Un pour foyer, voilà. sécuriser la personne. Voilà, ça c'est la base, hein. La Les base. habits, ce qu'on appelle le Maslow, chez moi, Oui, les l'échelle pyramides. Hein. de besoin quoi Les de base. besoins, c'est la nourriture, la maison et les habits, tout d'abord. Après. Alors, parmi ces trois choses, l'habitation, hein, les habits, et la nourriture, c'est quoi le plus difficile à donner? Habitation, habits, nourriture. L'habitation, peut-être. Habitation, c'est cher. C'est cher. Deuxième, C'est pas trop difficile. Ça dépend. ouais, c'est presque les habits, quand même, c'est plus cher que la nourriture, Oui. souvent. Hein. Allah les a demandé quoi? Le plus facile ou bien le plus Plus difficile? facile, Le la plus plus facile. facile. Facile, ouais. Juste la nourriture. C'est quoi la nourriture? Je prépare, restant sur les pâtes, je prépare les pâtes, au lieu d'un kilo, j'ajoute 500 grammes. Comme Et on là, sait que l'islam, il part toujours le plus facile, le donc plus facile. le plus difficile. Ça, je Voilà. sais. Ouais. Vous voyez? Donne le minimum, on ne te demande pas beaucoup. Hein? Ça commence par la nourriture et après Allah ouvre les portes du cœur et chasse cette avarice, ce scorpion qui nous empêche de donner. Inch'Allah. Donc commence par. Donc s'ils refusent de donner à manger, ils ne vont pas donner des habits, ils ne vont pas aussi construire des maisons pour les pauvres. Ça, c'est logique. Vous voyez? Donc, c'est des gens, malheureusement, voilà, qui ne sont pas généreux. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas donner trop. Je parle pas trop. Les comités albanais, ils donnent beaucoup leurs frères, leurs soeurs. Ils n'ont aucune habitude de ne pas travailler, de ne pas chercher de travail. Tout ça. Ils attendent toujours avec les frères ou les soeurs qui sont à l'étranger. Voilà. Malheureusement, parfois, c'est pas bien non plus de Ça, donner c'est. beaucoup d'argent. Oui. Du Donc, temps, c'est-à-dire le une journée. généreux, il doit faire attention, hein, de juger tout ça. Et le pauvre, il ne faut pas qu'il abuse aussi. Hein, ça, c'est vrai. Toujours, vous voyez, toujours, il y a du travail, hein, spirituel. C'est cher, on
on ne sait pas. Mais moi, j'estime que je donne. Voilà. Après, je ne saurais pas ce que la personne est en train de faire. Parce que c'est moi, vous voyez, moi, je n'ai pas accès. Donc, pour moi, j'ai donné, après, je ne pense plus. Alhamdulillah. Tu es à l'abri de ces suggestions. Alhamdulillah. Reste comme ça. Parce que des fois, c'est la personne, il manifeste ses abus. C'est fini, quoi. J'ai donné et puis c'est... Oui. Alhamdoulilah. Ça, c'est... Je peux plus réfléchir à ce que j'ai fait bien ou j'ai... Non, que j'ai... Il y a un proverbe qui dit fait du bien et oublie, fait du mal et réfléchit. Et réfléchit. Oui, oublier ça, mais je veux dire, est-ce qu'il faut d'abord regarder à qui donner? Oui. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils attendent toujours. Voilà. Il ne faut pas l'aider. Toute la population, presque toute, je pense, c'est rare que les gens qui travaillent là-bas, ils sont vraiment, ils ont plongé dans, parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Il y a tous les terrains, tous les champs qui sont secs. Ouais. Au Kosovo, il n'y a pas des gens qui travaillent, des champs, il n'y a pas, vous ne trouvez nulle part, même dans les villages, une poule, des champs, c'est rare qu'il y ait des animaux. À recevoir de l'aide extérieure. C'est, oui. C'est comme des mendiants. Oui. Ils sont habitués. Après, c'est la facilité de recevoir de l'argent comme ça. Oui. Parce que dès que vous parlez avec quelqu'un, ils vont dire, bon, j'ai besoin de... Ils sont habitués. J'ai besoin de... J'aime ça, regardez, j'ai pas d'argent, je travaille pas, elle gagne ça. C'est la facilité. Ils sont habitués à la facilité. C'est pas bien. Ça veut dire quoi? In antum illa fi dhalal mubin. On va finir avec ça. Le verset, la fin du verset, c'est les Quraysh qui ont dit: vous êtes dans un égarement évident. Donc les Quraysh accusent les pauvres nécessiteux d'être égaré. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis. Et eux, les Quraysh, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas que c'est Allah qui va les nourrir. Donc, ils sont dans un... Eux, pour eux, ceux qui se sont convertis sont dans un égarement. Dans l'égarement à cause de leur conversion. D'accord. Ils accusent les Quraysh, ils accusent les pauvres. Mélie, comment? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Égarement de... Il parle des croyants, vous êtes dans l'égarement. D'accord. Égarement de Dieu, comme si vous mais parce, peur, quoi. Parce que vous avez demandé de l'argent. Et vous avez dit de donner de ce qu'Allah vous a donné. Voilà. Pour eux, cette expression, c'est un égarement évident. Pourquoi les Quraysh ont accusé les croyants d'être égarés? Les croyants, ils restent sur leur position. Ils croient en Allah et ils changent alors, pas d'avis. D'accord, mais Johanna, alors c'est quoi si on parle de l'égarement? Tout d'abord, c'est quoi la droiture ici? Selon les Quraysh, on a dit ils utilisent les attributs dans la mauvaise place. Ils ont dit, vous croyez à un Dieu grand pourvoyeur? Demandez votre Seigneur. Donc c'est la suite de cette idée. Vous êtes égaré parce que au lieu de demander votre Seigneur, vous venez à nous. Mais c'est vrai, non? Ils doivent demander Dieu. Vous voyez l'idée?
Les Quraysh, ils ont dit, vous êtes égarés. Pourquoi? Parce que, au lieu de demander votre Seigneur, vous venez chez nous. Vous nous demandez. C'est vrai ou pas vrai? Les deux sont à l'erreur, en fait. Ouais, mais les croyants, ils ont demandé au collège. Oui, ils ont demandé de l'argent, ils étaient des pauvres. Et les collèges étaient des riches. Ils étaient avant leur seigneur. Donc c'est eux qui. Ils ne veulent pas plus suivre le système de Quraysh, de se soumettre à leur système. Ruth, si je te demande 200 francs, je suis égaré? Je demande. Je suis associateur? Je peux demander. Je vous demande de l'argent, non? Si j'ai besoin. Hein? Ça dépend de la situation. Non, mais je peux demander. Après, tu peux Pas me ça dire. empêche de demander. Ouais, c'est pas haram, c'est pas une forme d'associationnisme. Alors comment? Vous répondez à ces Quraysh qui accusent, mashallah, ils sont devenus des imams maintenant. Ils accusent les croyants. Vous êtes égarés. Au lieu de demander à Allah, vous venez nous demander. Ils ne veulent pas donner, en fait. Comme en Suisse, j'ai mis le foulard, t'as mis le foulard, tu demandes. Oui, demande d'attendre. Oui, Oui, en fait. exactement. Alors, Pour t'écraser, oui. au chômage, on m'a dit, vous Tu allez assumes. dans le centre et vous allez demander le travail. Ils ont quelque chose pour vous, dans la Les gens sont communauté. intéressants. Subhanallah, tu vois, ma soeur, c'est le même discours. Oui. Travail, nourriture, habitation, tout ça. Oui. Ah oui, mais il voulait aussi, c'est ça qu'il voulait dire, Koresh. Venez sur comme nous. Oui. Sinon, voilà la pauvreté. Alors, elle est où l'ignorance des Quraysh? On va s'arrêter ici avec cette question. On a fini déjà le verset. La prochaine fois, le verset 40. N'étaient pas guidés. Ils sont. Oui, pourquoi ils sont pas guidés? C'est quoi la réalité? Si je demande à quelqu'un, ça dépend. Je peux être égaré si je le considère la provenance de la subsistance. Là, je suis dans l'égarement, c'est vrai. Là, les collèges, ils ont raison. Mais si je le considère comme intermédiaire, là, je suis dans le droit chemin. Faut pas oublier ça. Donc, alors, si je demande à Ruth 100 francs, après on va voir si elle va me donner ou pas. Peut-être elle n'a pas les moyens. Ça, c'est une autre chose. Alors, si je demande, je dois penser que la personne, c'est une cause. Mais la cause des causes, c'est Allah Azzawajal. Donc la personne, c'est une intermédiaire. C'est à travers lui, Allah m'a donné cette subsistance. Ça, c'est une autre. Ça, c'est pas de la mécréance. Mais si je crois que la personne, ma vie dépend d'une personne, là, c'est une forme d'associationnisme. Et souvent, malheureusement, on ne le dit pas, mais toujours notre vie, notre bonheur, est lié à des choses éphémères. Et ça, c'est une source de souffrance et de malheur, de tristesse. Parce que je tremble. On dépend donc de quelque Je chose. dépend, je suis dépendant d'un éphémère ou d'une éphémère, d'une chose. Donc les collèges, ils ont raison d'un côté, mais ils utilisent cette notion, hein, et la place mal, donc pas à son meilleur endroit. Parce que les Quraysh, là, dans ce cas, c'est des moyens, c'est des intermédiaires, hein, pour passer la subsistance d'Allah C'est Azza qui wa leur a donné là? Jalla. Oui, c'est Allah Azza wa Jalla. Pardon? Maintenant, ils sont devenus des imams. Les courage.
Les Quraysh ici, mais qu'ils n'étaient pas musulmans avant, oui. Maintenant, Quraysh, bien sûr, sont tous musulmans. Oui. Mais c'est ceux qui sont en Arabie Saoudite. Oui, bien sûr. Quraysh, c'est la Mecque. C'est la tribu qui habitait, qui occupait la Mecque, qui vivait en. Hein? Les descendants de Quraysh. Oui, mais il faut. Il y a l'Ashraf, les vrais. Ben maintenant, il y a quand même la descendance qui ont gardé l'arbre généalogique. Voilà. Mais voilà, ils sont maintenant un peu discrets, sont connus aussi, hein, ils ont leur place. Mais il n'y a plus, tu ne peux pas les distinguer. Voilà. Mais la Mecque maintenant, elle est mélangée. Il y a plus d'étrangers que des Mécois, je crois. Hein. Est-ce que vous avez une remarque? Beaucoup des enseignements aujourd'hui, comme d'habitude, qu'Allah nous guidera, inch'Allah, mettre en pratique. En fait, ce n'est pas par rapport au cours, mais c'est la question que je vous avais posée.